mes petits poulets, bonjour et bienvenue donc dans cet exemple concernant les pseudorockines. Alors pourquoi je fais ça? Parce que dans les ondes nocturnes, j'ai une caisse, je viens de nouveau déverrouiller 4 pseudorockines. Donc une fois je vous ai montré, j'ai fait le tuto, etc. Mais une fois je vais tout simplement faire l'exemple en soi-même de la chose. Donc où on prend, si vous n'avez pas vos potes avec vous, etc., que vous n'avez pas le temps ou que vous êtes complètement insociable, je ne sais pour quelle raison, il y a moyen de le faire en solo. Ça demande juste de faire un tout petit peu attention et limite de prendre ou Rhino ou une autre Warframe qui peut se mettre en... énormément de défense. Pensez aussi à avoir une bonne arme de destruction de zone, je dirais, comme par exemple l'Ignis ou n'importe quoi, ou n'importe quelle arme qui fait très mal en soi. Donc notre but, ça va être de tuer un maximum de mobs assez vite, mais ça on s'en fout un peu, hein. Tuer les mobs, ça sera toujours facile. Là on va vraiment se concentrer, entre guillemets, c'est essayer de trouver la soute. Ça, c'est vraiment le principal. Les autres mobs, on passe, on les tue un peu comme ça, mais on fait pas trop attention, c'est pas vraiment notre but. En plus, souvent, ils se tuent. Il y a des bagarres entre les mobs ici, donc ils se tuent eux-mêmes. Voilà, c'est toujours un peu des missions genre en feu croisé, comme ça. J'ai pas pris de quoi enregistrer les cavates. Donc normalement, comme je vous dis, essayez de faire avec un pote. Limite, il y a un pote qui prend Rhino, etc., etc. Et il y a un pote qui prend Ouivara, ou comment elle s'appelle encore, Equinox d'ailleurs, dont la prime va sortir le 2 avril, donc on est c'est déjà censé être sorti en soi, que je me ferai un plaisir de monter et de faire plusieurs builds avec. Mais je ne sais pas encore si je vais plutôt m'occuper d'Equinox ou de Trinity, car on a aussi, j'ai aussi envie d'avoir Trinity à vrai dire, et ça dépendra aussi, comme d'habitude, des modes Riven que je vais dropper, hein, parce qu'en fonction des modes Riven, telle ou telle arme sera privilégiée ou achetée, ou etc., etc., etc. C'est comme d'habitude dans le jeu, hein. Vous faites votre sortie journalière et vous voyez bien ce qui tombe. Vous passez votre temps à faire du format, des suits, des boss, etc., etc. En tout cas, quand vous avez atteint un certain, entre guillemets, level dans le jeu, vous n'avez plus que ça à foutre. Ou aussi continuer à... Là, actuellement, je suis en train d'augmenter encore 2-3 choses concernant le focus. Ah bah tiens, des cavates, tant qu'on y est. De toute façon, là, les cavates, visiblement, n'ont pas l'air de me détester. Donc, je vais pouvoir essayer de choper vite fait leur analyse. Non, ils veulent pas. Bon bah, tant pis. Au revoir tout le monde. Voilà. Bon, les cavates, je laisse tomber. Tant qu'il n'y a rien pour endormir, c'est beaucoup trop chiant. Beaucoup trop casse-couille, en tout cas, moi ça me convient pas du tout. Une pseudo-rockine, je sais pas par ici, mon bon écran. Tu pues la merde, mon dieu. Oui, c'est ça, allez. Lâche-moi. Par contre, on est vraiment bien ralenti, c'est casse-couille. Ouais, donc faire attention, laisser les mobs là 2 secondes tranquilles, parce que j'ai pas envie de me choper le mastodonte. Allez, par ici. Je suis déjà venu ici auparavant, non, ici je suis pas venu. Donc on va d'abord checker un peu à gauche, à droite, hein. Là, comme la suite peut être un peu n'importe où, il faut vraiment bien vérifier chaque pièce. Pas ici non plus. Ça m'étonnerait qu'elle soit dans les tuyaux, mais bon, vérification. Ouais, parce que vous voyez, il y a des fois des portes ici aussi, donc voilà quoi, tout simplement. Une vérification, c'est pas celle payée. Des neurones, je prends toujours, merci. Le Juggernaut a rebroussé chemin, donc c'est bien, c'est cool. Là, c'est une grande salle, donc d'abord je vais passer par en dessous. Ça va nulle part. De quoi, Mali? Je reviens. Ça va. N'oublie pas que je travaille à 5h, mon pote. Hein, donc, bah, par contre, rendez-vous ce soir, on va pouvoir play un tout petit peu. Mais c'est un tout petit peu, parce que demain j'ai la longue. Ça marche. Donc voilà, bah par contre je m'arrangerai aujourd'hui pour avoir bien mon jeudi de congé. Donc jeudi on va pouvoir farmer comme des porcs si tu veux. Ok, ça va. Que ce soit les sous-tourokines, ouais. Les trucs, ou le hall d'ascension, on pourrait carrément faire une vidéo sur le hall d'ascension au final. Pardon. Non. Bah, j'imagine que ça... On va aller par là dans ce cas. Non.
Par contre, le truc qui diminue drastiquement les dégâts, c'est ce que je trouve vraiment le plus chiant. Parce qu'encore au niveau de la mobilité, ça va. C'est pas trop hardcore. Mais... le fait d'aller moins vite, ça par contre, c'est casse-couille. Hein. Bon, absolument mirifique. Des fois, je l'avais eu ici la porte. Non, pas ici. Ouais, parce que le jeu a une bonne RNG au niveau de la disposition des salles. Vous allez dire, ouais, mais il y a des salles qui se ressemblent et tout. Oui, oui, des salles sont collées au fur et à mesure, comme ça, à côté. Il n'y a pas non plus tout qui est en RNG. C'est les salles, la disposition des salles, le suivi des salles qui est en RNG. En même temps, je vous avoue que je vais pas prendre le restant. Ok. Voilà, d'être par là non plus. Oh putain, par contre, j'adore les épaves infestées. Le design du truc. Ah! Et merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Un nouveau le cavate. Donc, ça a pas l'air d'être par ici. Là-bas, c'était, je crois, fermé. Donc. On va aller là-bas. Non, là-bas, c'était fermé aussi. Donc, voilà. Mes couilles sur ton fond, ça fait un dindon. Non, c'est pas pareil ici. Non, c'est pas pareil ici non plus, donc bon. Par où est-ce que je suis arrivé, moi? Et par au-dessus, là. Ah, ça m'étonnerait aussi. Oui. Par contre, j'ai trouvé une salle secrète. Enfin, secrète. On va se calmer deux secondes. Une salle non anodine. Eh bé. Est-ce que je me serais pas par hasard perdu comme un bon gros glandu qui se respecte? De toute façon, à force de tuer les mobs, je vais être au courant de par où il va falloir aller. Par là? Non, pas par là. Ah, ah, ouais, ok, je vois, par là, voilà. Putain, fallait savoir, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. Bon, c'est par ici. S'il vous plaît, une soute. Non, toujours pas. Toujours pas. Pas de luck. Pas de chance, vraiment. Pas par là non plus. Ça va mettre un petit peu d'énergie. Ah, la soute est ici. Eh bien, elle est juste à côté de la sortie. La clé du dragon pourrissant. Voilà, donc je sais que c'est celle-là que je vais devoir refaire. Merci pour le mode corrompu. Ça peut des fois valoir des platines. Ça dépend. Maintenant, je vais devoir faire seulement le restant des mobs. Et quand j'aurai tué assez de mobs, comme c'est une extermination, ça repop un peu à gauche à droite, je pourrai m'enfuir par ici. Donc voilà, exemple de sous-torokin. Donc faites pas comme moi, tuez quand même. En fait, ça dépend. Le problème, c'est que si vous tuez un peu plus, si vous tuez trop vite les mobs, ils vont vous montrer le point d'extraction à chaque fois. Et bah, moi, ça me dérange parce que le point d'extraction, ça permet des fois de ne pas savoir où se. Où il faut aller, etc. Parce que vous allez concentrer dessus. Ça dépend. Pour ceux qui ont un peu l'habitude des épaves rockin et tout, ils s'en foutent tout de suite et après ils le trouveront bien. Et s'il faut, ils refont une run, ils se cassent pas trop la tête. Voilà. Ça, chacun comme d'habitude et juge. Sur ce, MD Plou, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss.